Bon, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, j'ai reçu un bon petit colis de chez Find & Fish. Donc, ça va être des vêtements, des équipements pour la pêche, pour l'hiver. Donc, vraiment spécialisé plus pour la pêche hivernale, que ce soit en bateau, en flotte-tube ou même en rivière, en waders, etc. Ça va être des vêtements hiver, début de saison. Je vais vous présenter quelques trucs vraiment sympas qu'on a choisis et qu'on avait envie de tester. Donc, c'est parti. Première chose, hop, ça va être une veste assez chaude, coupe-vent. Celle-ci est pas étanche à la pluie. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des produits dans la description. Donc celle-ci, elle n'est pas étanche à la pluie, ça va être vraiment un coupe-vent assez chaud. Elle est doublée en polaire. Donc petite veste par-dessus quand il fait juste frais ou qu'il y a une journée assez agréable mais qu'on est en hiver. C'est une veste qui ira très bien ou même pour l'intersaison, l'automne, l'hiver et plutôt le printemps. Ça va être une veste qui va être super utile. Les tailles, ça va être surtout Alexis qui va les mettre parce que moi j'ai pas toutes les tailles qui me conviennent. Mais je vais vous montrer deux trois trucs sympas. Donc cette veste que vous allez pouvoir voir régulièrement dans les vidéos, je pense. On la testera et on vous fera un débrief. D'ailleurs, concernant le matériel Fight & Fish qu'on a testé depuis le début de saison, donc les waders et tout, il y a la vidéo qu'on a sortie en début de saison avant l'ouverture Twitch. Je vous mets la petite fiche juste là de la vidéo. On a testé le matériel toute l'année et juste avant l'ouverture Twitch, on va vous faire un débriefing complet de tout matériel, ce qu'on en pense, les problèmes qu'on a pu avoir ou quoi que ce soit, vraiment détaillé. Donc cela, on vous fera un petit débrief peut-être à la fin de l'hiver de ces vêtements, voir si on en est content ou pas. Également, un sous-pull assez chaud lui aussi, assez épais. Lui qui va être à ma taille celui-là, pour mettre sous une veste, etc. C'est vraiment bien en hiver, surtout quand on est en flotte tube qui fait 3 degrés dehors ou quand je pêche le canal du bord qui fait un temps de merde. C'est vraiment des vêtements qui vont être utiles. Donc ils font des sous-pulls, ça c'est l'ancienne collection, il y a les nouveaux aussi normalement. Donc des sous-pulls chauds, bien épais, qui vont être super agréables. Un produit aussi que j'avais vraiment envie de tester, qui m'a intrigué beaucoup, je vais vous montrer ça. Hop. C'est un gilet thermique qui est gonflable. Donc deux intérêts. Maintenir de l'air dans le gilet pour augmenter la chaleur qui va rester l'hiver, mais aussi avantage indéniable à la truite en début de saison quand on est en waders, c'est une aide à la flottaison qui est pas négligeable. Si on passe à l'eau ou quoi que ce soit, cette veste va nous permettre de rester à la surface. C'est pas un gilet de sauvetage, mais c'est une aide à la flottaison. Hop. Et à l'intérieur des poches, il y a une petite pompe pour le gonfler. Et voilà, le gilet que vous pouvez mettre sous une veste ou quoi que ce soit, ça permet de. Moi, il est un peu grand pour moi, donc ça va être plutôt pour Alexis celui-là, mais il permet vraiment de garder de la chaleur contre soi et vraiment une aide à la flottabilité. Quand on n'a pas de gilet de sauvetage, puisqu'à la truite on a toujours le sac de pêche, etc., c'est vraiment encombrant. Par contre, ça, on va le porter clairement et on vous fera un petit test de passer à l'eau. Ça fait un moment qu'on veut le faire, de passer à l'eau avec ça pour vous montrer comment on flotte. Je vous mets un petit extrait d'une vidéo de chez Find & Fish où il saute à l'eau et comment il flotte avec les waders. C'est assez impressionnant. Donc, petit gilet vraiment intéressant que vous risquez de pas mal voir, je pense. Surtout à la pêche de la truite en début de saison quand l'eau est très froide et que les débits sont importants, c'est pas mal, la sécurité c'est assez important. On n'insiste pas assez là-dessus, hein, mais faut faire gaffe. Hop. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Hop, une paire de gants pour l'hiver. Donc des gants qui ont vraiment été conçus pour la pêche, des gants en néoprène. Hop. Voilà. Donc avec le petit scratch qui permet de le resserrer correctement et un scratch supplémentaire sur le dessus pour resserrer au niveau de la paume de la main.
Et là, vraiment, on a les deux doigts qui ressortent sur chaque gant pour manipuler le fil si vous êtes droitier ou gaucher. Et ça évite d'avoir froid. Il y a juste l'extrémité des trois doigts utiles à la pêche qui ressortent. Et ça fait une bonne petite isolation pour quand il fait froid, quand il y a du vent, etc. C'est souvent aux mains qu'on a froid. On a beau être très bien habillé partout ailleurs, si on n'a pas des gants, bah, c'est là où on a toujours froid. Donc des gants que vous allez sûrement beaucoup voir aussi, vu que le froid commence à arriver à peine chez nous. Il fait encore trop chaud pour les cendres, mais ça commence à arriver tout doucement. Également un pantalon, un surpantalon. Hop. C'est une genre de salopette qui permet de s'enfiler sur le pantalon par-dessus déjà toutes les couches qu'on peut avoir pour pêcher du bord. Ça, je vais pas mal l'utiliser quand il pleut, quand il y a du vent, etc. On enfile ça, on met une doudoune ou le gilet thermique et une veste de pluie par-dessus. On est au sec, il n'y a aucun problème. Là, c'est imperméable à l'eau, donc l'eau va couler dessus, il n'y a pas de souci. C'est doublé là aussi thermiquement, donc vraiment par-dessus un pantalon, on est très très bien, on est vraiment au chaud en plein hiver pour pêcher du bord, c'est vraiment top. Tac. Voilà tout ce qu'on a pris pour pêcher cet hiver. Donc vous allez les voir en vidéo et à la fin de l'hiver, je pense qu'on vous fera une vidéo débriefing de tout ce qu'on a pensé, les avantages, les inconvénients, etc. Franchement, j'ai hâte de voir certains trucs, notamment ce gilet gonflable. Ça peut être vraiment sympa à voir. Ce que ça donne, ça peut être super. Et cette veste aussi, très confortable. Alexis l'a pas mal testé déjà depuis une semaine, depuis qu'on a reçu le colis. Et franchement, elle est vraiment sympa cette petite veste. Elle est assez souple, ça reste assez lourd, mais ça tient bien chaud. Donc intéressant. À tester, à tester. Bon, voilà, donc si vous cherchez des vêtements pour l'hiver, n'hésitez pas à aller voir sur le site Fight and Fish. Je vous rappelle qu'il y a un petit code promo en description qui vous fera une petite réduction. C'est toujours bon à prendre. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de pêche. Allez, ciao ciao.